Appréciez les gens autour de vous pour ce que vous avez vu de meilleur en eux. En reconnaissant le meilleur au lieu du pire, vous allez stimuler, nourrir et recevoir le meilleur de chacun. Tout ce à quoi vous prêtez attention va naturellement grandir, au moins pour vous. Chaque être humain que vous rencontrez, ils ont un bon côté, ils ont un mauvais côté. Si vous prêtez attention au mauvais côté, votre mental va se préoccuper du mauvais côté. La méchanceté d'un autre va devenir la vôtre. Et à cause de cela, vous allez en recevoir de plus en plus de tout autour de vous. Si vous prêtez attention au meilleur, bien que chez certains ça puisse être minuscule, si vous prêtez attention au meilleur, ça va grandir. Au moins dans votre mental. Dans votre expérience, ça va grandir. Il y a de fortes chances que ça grandisse en eux aussi. Eh bien, quand vous vivez dans ce monde, quand vous êtes actif, il y a des tas de gens qui vont vous dire et vous faire diverses choses méchantes. Mais si vous prêtez attention à cela, vous allez vous arrêter dans votre élan. Si vous prêtez attention à ce qui peut exister, même chez ces gens qui crachent constamment du venin, une chose c'est que votre mental ne doit jamais devenir aigre. Une autre chose c'est que il y a toujours une possibilité que même eux changent. J'ai conduit des programmes dans les prisons, à la fois en Inde et aux États-Unis. J'ai rencontré certains des criminels ou des condamnés qui ont fait des choses terribles dans leur vie. Mais beaucoup d'entre eux se sont transformés grâce à de simples formes de yoga. Par-dessus tout, quand ils étaient avec moi, c'était des gens absolument merveilleux. C'est ce que vous pouvez faire. Vous avez entendu parler d'un Angulimala devenant un sage. Vous avez entendu parler de Valmiki devenant un grand sage. Il y a beaucoup d'histoires comme celle-ci. Seules quelques-unes sont devenues célèbres. Il y en a beaucoup d'autres qui ont transformé leur méchanceté en leur nature merveilleuse, simplement parce que quelqu'un a prêté attention à leur nature merveilleuse. Donc s'il vous plaît, qui que vous rencontriez, quel que soit le meilleur que vous voyez en eux, vous n'avez pas à imaginer quelque chose, quel que soit le meilleur que vous voyez en eux, prêtez attention à cela. Considérez cela comme une norme à laquelle ces gens doivent s'élever, plutôt que de garder leur méchanceté dans votre mental et de les laisser tomber dans ce qu'ils ont de pire. Ceci est une possibilité que vous avez l'occasion d'exercer à chaque instant de votre vie. À nous de jouer.